question is, how tall are you? And what is your shoe size? I'm 2 meter tall, and my shoe size is 13 US, so 31 centimeter. Okay, well that's a big one. Et quels sont vos objectifs à Paris ici? Je pense que c'est une médaille. ¿Qué piensas de este torneo en París? Bueno, impresionante. Yo creo que todos los equipos, desde que hemos llegado aquí, estamos disfrutando muchísimo con lo que he montado, jugar justo al lado de la Torre Eiffel y todo el esfuerzo que ha hecho la Federación Francesa. Creo que es una pasada para jugar aquí. Who is your favorite basketball player? To be honest, my older brother. He's not here, but he was playing with me years ago also on the Euro Cup, so okay. Big shout out to him. Do you have a pre-game ritual? Of course, everything from meditation, breathing, also how to, you know, think about the game before the game, so it's important, and of course little bit stretch, shooting routine, and then ready for the game. Thank you. What is your name? Shimon Ardu, simple. Thank you. Allez les bleus. ¿Qué es tu suerte de ganar este torneo? Bueno, es un torneo muy complicado. Hay equipos muy duros. Francia está a un nivel muy, muy alto. Pero bueno, vamos a ir a por todas y a intentar llevarnos una medalla, seguro. Ok, muchas gracias. ¡Hala! Ouais, notamment j'ai principalement découvert avec les JO, hein. Mais j'ai pas une connaissance très approfondie du, que ce soit des joueurs ou même des grosses nations du basket 3 contre 3, je sais pas ce que c'est en particulier, mais j'apprécie le format en tout cas. Est-ce que tu sais à quelle heure il y a le match de l'équipe de France? Je crois qu'il y en a 20h15, mais je suis pas sûr. Est-ce que t'es chaud? Ouais, à fond derrière eux, tout à fait. Ça va là? Parfait. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre rôle sur cet événement? Alors moi, mon rôle sur cet événement, c'est de tenir cette boutique, la boutique Wilson, où on vend des ballons. Le ballon, on peut retrouver le ballon officiel, c'est le ballon de la compétition ou des réplicas. Et après, on a un peu décliné sur deux petites gammes, un mini ballon sur le football américain et sur le ballon du volet. Un petit clin d'œil sur un film qui s'appelle Seul au monde, le ballon Wilson. Wilson, oui. Avec la petite main sur laquelle Tom Hanks avait dessiné. Et est-ce que ça vous plaît d'être sur ce genre d'événement? Exactement. Moi, je fais du basket, donc du coup, c'est toujours plaisant. Et de voir un peu à peu près toutes les nations et les différentes façons dont elles jouent, donc c'est vraiment cool. Et le cadre est beau. Aussi. Est-ce que vous savez où se situera le 3v3 au Paris 2024? En 2024, non, pas encore. Ils n'ont pas encore annoncé le site. Bon, je pense que ça ne devrait pas tarder. Je pense que ce sera communiqué. Ils le mettront sur les réseaux 3v3FSBB sur Instagram. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Charlie, vas-y. Oh, on est hyper content d'avoir gagné contre eux. Là, ça nous permet d'être qualifiés pour demain. Il nous reste quand même un match pour aller chercher la première place, mais c'était important de gagner. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer avec ce public en France? Vas-y, qu'est-ce que ça vous fait? C'est juste incroyable, j'ai l'impression que notre premier supporter, c'est aussi cette tour Eiffel qui brille de mille feux. Pour nous, on a juste envie de rendre fière toute la France dans ce patrimoine dont on hérite, donc on espère vous donner plaisir aussi, et ça nous donne vraiment le courage d'aller chercher les victoires. Merci les gars.